Bon, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, Dieu qui nous fait vivre, donc c'est lui qui mérite l'adoration et notre louange, c'est pourquoi nous sommes venus dans sa présence, donc ça nous fera du bien. Ce qui est bien, c'est que nous avons là maintenant, c'est l'apôtre David, il y a un côté, il y a un côté. God bless you, nous avons pas pour la vie, nous avons besoin de la monde, nous avons besoin de la maison. Bon dimanche, merci. Pasteur Mami Agassa na ye apôtre Tatumba ku sambela nani muta ko diskusire sa ya nzambe so ki nzambe aninga sali kamoni ya libi nzambe ya bon rate ba o makusonge ba na ye alobi revenez à moi et moi je reviendrai mbalo kwa moto ya sotu kamoni ya ko sambela. Il va te parler, bien-aimé. Et ça, n'a pas tort à le voir pour la vie, Nayo. Et ça, n'a pas tort à prophétiser pour la vie, Nayo. Non, bien-aimé. Yébi Sabango, je ne suis pas ce que le monde dit que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Ce qui est dépendant pour la bateau, Djadou Makoufa. Mais comme il ne dépend toujours du ciel, non, bien-aimé, juste à Koufa Kate. Alléluia. Si tu connais la grandeur et la valeur de ces dieux-là, bien-aimé, aux amours, au temps où l'on a silence. Comme dit la parole, qui est en l'air, bien-aimé, alors que vous dormirez en paix, et personne ne peut troubler votre sommeil. Et plusieurs viendront caresser vos visages. Les anges de Dieu sont là, bien-aimé. Et le sens comme un ange était et comme un ange de l'éternel, la personne de Jésus-Christ lui-même. Il tombe en haut et comme il y a. Le problème est quand il y a un programme. Est-ce que vous êtes content d'écouter la parole ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes content d'écouter la parole de ce matin? Amen. 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 Ce n'est pas moi qui vais prêcher, bien-aimé. Mais je connais cet homme bien-aimé. Amen. J'ai toujours parlé. L'homme qu'il faut à la place de Dieu. Oui, il y a mon ami pour la place. Je connais cet homme bien-aimé. C'est un choix de Dieu. C'est un élu de Dieu. Je le connais. Je l'appelle toujours papa. Beaucoup de considérations. Les promesse. Amen. Moi, je ne peux jamais négocier mes droits. Je sais que Dieu, c'est mon père. Mon propriété privée. Maintenant, bien aimé, toi, tu es ma vie, sur votre fendi. Parce que nous voulons appeler maintenant serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il fait à ses anges des vents. Mais à ses serviteurs, les flammes des fées. Amen. Non, je sais, bien aimé. C'est un homme qui parle bien. Mais de la part de Dieu, dès que nous allons appeler les bishops. Joseph Tchatumba, les charismatiques, toute l'assemblée, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir comme des princes et des princesses. Amen. 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 Wow. Je suis dans ma joie parce que je suis dans l'église du Seigneur. Amen. Le diable a fait tout pour m'empêcher à ne pas exercer mon ministère. Ça fait 2 ans jour pour jour aujourd'hui. On a connu des problèmes, l'église a été fermée depuis le 7 février 2004. On est resté loin de Dieu. Le diable avait tout fait
pour fermer cette bouche. Il a tout créé. Je me suis dit, bon, je ne me précipite pas parce que je sais que on appelle ça l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur voudra qu'un jour que je revienne à le servir comme pasteur dans une église, je le ferai de tout mon cœur. Je ne vais pas forcer. Je ne vais pas aller chercher une prédication. Vous savez, je connais beaucoup de pasteurs, mes amis pasteurs qui sont dans le monde. Je pouvais aller chercher des prêches dans les églises. Mais je me suis dit, bon, je reste à la maison. Je vais commencer à aller dans les églises, écouter aussi la parole de Dieu comme chrétien. Si le Seigneur veut me prendre, me prenne, que j'aille me reposer auprès de lui. Qui a dit amen? Amen. Alors, ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Alors, depuis le début de cette année, pendant tout ce temps-là, il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup de gens qui parlaient, Bishop, vraiment, tu dois retourner, tu dois retourner. J'étais là pour parler de mon mari, parce que ces choses ici, il ne faut pas forcer. Tu forces, ce n'est pas mon travail à moi. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas mon travail à moi, Tchatou. Ça passera un jour. Peut-être comme où j'étais fermé là, je pouvais la fermer jusqu'à la fin de mes jours. Depuis même que ma bouche était fermée, la parole de Dieu était toujours annoncée. Les églises étaient partout, de nouvelles églises, de nouveaux pasteurs. C'est-à-dire que moi, je ne représente rien dans ces champs. Mais comme je suis un choix particulier de Dieu, non, il a estimé bon que je dois continuer son œuvre. Voilà, aujourd'hui, il me remet dans son main. Alors, un pasteur autre pouvait me remettre dans son main. Peut-être que je pouvais tirer toute la gloire. Et Tchatumba, c'est à cause de moi. Dieu ne veut pas que quelqu'un parle à cause de son nom. Il veut parler de lui-même. Il veut être témoin de lui-même. Il ne veut pas être témoin de quelqu'un d'autre. Voilà qu'aujourd'hui, le 6, je ne sais pas pourquoi la date du 6 me sourit beaucoup. Le 6 du mois passé, j'ai présenté mon livre. Aujourd'hui, le 6 de ce mois, c'est l'ouverture de l'église. Vraiment, nous allons, pour cette fois-ci, faire. Nous avons commis beaucoup de fautes. Nous avons commis beaucoup de fautes. De nous-mêmes, peut-être des tierces. Peut-être certaines choses nous sont arrivées plus fortes que nous-mêmes. À un moment donné, en tout cas, il fallait lâcher. Très fortes. Peut-être c'est facile, surtout quand tu es spectateur dans un terrain de foot au stade. Et notre joueur est en train de jouer. Toi, tu vois beaucoup de stragales. Si c'était moi à sa place, j'allais seulement mettre mon pied comme ça et j'allais marquer. Mais quand tu es acteur sur le terrain, il y a beaucoup de réalités. Ce sont toutes ces réalités qui ont fait que il fallait m'éloigner, il fallait d'abord me retirer. De moi-même, je disais, Seigneur, prends tout ce que tu m'as donné, le donner à quelqu'un d'autre. Puisque partout, nous chantons même pour un prédicateur. Oui, Seigneur, tu prends là, tu donnes à quelqu'un d'autre. Moi, je suis fatigué de ces choses depuis 84. J'ai fait le même travail. 84, j'étais petit. Jusqu'à ces jours, ça fait combien aujourd'hui? 30 ans, quelques années. Je me suis dit, Seigneur, tu prends, tu donnes à quelqu'un d'autre qui a besoin. Parce que de moi-même, je vais commencer par où? Mais depuis le début de cette année, j'ai commencé à sentir la chaleur là, de mon appel. Une chaleur. Quand je dors, je sens toujours que je suis en train de prêcher. Des prophéties avec beaucoup d'exactitude. Je me suis dit, bon, il était temps, maintenant que je revienne à mon job. C'est mon travail. J'ai tout sacrifié à cause de ce travail. Tout sacrifié. Et je suis même prêt, on me laisse seulement avec ma Bible. Parce que c'est à cause de cette Bible que tu as tout besoin dans le monde. Depuis que j'ai arrêté la prédication de la Bible, je n'achète même pas un nouveau costume. J'avais un parking de voitures, un parterre. Mais depuis que tout est parti là, c'est fini, il n'y a rien qui rentre. J'ai compris que mon véritable job, c'est ma Bible là. Amen. Qui a dit amen? Amen. Amen. Personne ne pouvait me donner, qui pouvait me donner? Aujourd'hui, je vais prêcher ma première prédication. Je suis dans la joie. Nous allons lire dans un verset de la Bible. Un petit verset seulement, dans le livre de Job. Nous allons lire les derniers versets de ce livre. C'est un verset qui va te faire du bien.
dans le livre de Job, chapitre 42. Verset 4 jusqu'au verset 6. C'est lui qui a trouvé Pélix à verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous mettre à Dieu, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Écoute-moi, et moi je parlerai. Je t'interrogerai, et tu m'inspireras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur le sang. La parole du Seigneur. Amen. J'ai lu verset 1 jusqu'au verset 6. Job, chapitre 42, verset 1. Tu peux commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Je reconnais que tu paies tout et qu'une réflexion n'est insensible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Oui, je fais part, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais, que je ne connaissais pas. Tu veux t'arrêter là-bas. Moi, je vais dire aussi. Qui a dit amen? Amen. Amen. Écoute, la Bible dit, ça c'est Job qui parle. Je reconnais que tu peux tout. Écoute la conclusion d'une observation. D'une souffrance, de beaucoup de sacrifices. Il a tenté être avec son frère, il a tenté être avec sa femme, il a tenté avec son gouvernement, il a tenté être avec tout le monde. Par après, il a compris que non. Je reconnais que c'est la personne qui paie tout, c'est seulement Dieu. Oh, je voudrais te dire, dis bien amen. Amen. Écoute, il faut voir le cheminement de cet homme. Mais il arrive à la conclusion. Moi, j'aime lorsque quelqu'un conclut la vie. Puisque lorsque tu conclus la vie, il est difficile qu'on puisse te dévier. Amen. Job dit, je reconnais maintenant, pas quelqu'un d'autre, pas ma mère, pas mon frère, pas seulement on m'a amené une information de moi-même. J'ai dit de moi-même, dans mon cœur, je reconnais que tu peux tout. Waouh. Amen. Yes. Wow. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Ça, c'est Job qui parle. Il dit que je reconnais. Je reconnais que toi, Dieu, pas quelqu'un d'autre, pas ma tante, pas ma mère, puisqu'il y a des gens qui se prétendent, qui se prennent pour des dieux. Il y a des gens qui s'élèvent contre les autres. Il y a des gens qui décident contre les autres. Yes. Il y a même les autres qui disent, oh, je peux te tuer, je peux te trangler. Peut-être que les autres ont peur lorsque les autres parlent. Mais Job dit, non pas ma tante, pas ma mère, même ma femme à moi m'a dit, Job, insulte Dieu, elle meurt. Mais je reconnais maintenant, pas hier. Hier j'étais dans la souffrance, hier j'ai tâtonné, hier j'ai pleuré, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des prières. Qui ne me connaît pas? J'ai fait tout sacrifice-là. J'ai tout fait. Mais maintenant, je reconnais. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut me dévier. Yes. Personne ne peut jamais me pousser à quelque chose d'autre. Non. Personne ne peut jamais m'amener un autre discours. Non. Puisque j'ai tout abandonné. Des ans durant, j'ai cru que les souvenirs, j'ai cru que les soutiens, mais viendra d'ailleurs. Amen. J'ai cru que mon secours me viendra de l'Occident, me viendra de l'Orient. Amen. Je me suis dit que je suis connu dans le monde. Peut-être toute cette renommée fera de moi quelqu'un. Mais j'ai compris que tout ça c'est rien. Mais je le connais maintenant. Je le connais maintenant. Alléluia. Yes. Autrefois, j'ai tâtonné dans ma connaissance. Autrefois, j'ai tâtonné dans mes relations. Yes. Autrefois, j'ai tâtonné en tout. Je voulais que je fasse ça. Peut-être que je vais réussir. Que j'appelle celui-là. Peut-être qu'il peut me secourir. Peut-être que je parle de cette façon. J'ai même déchiré mes habits. J'ai pris les gens. J'ai même mis dans la bouteille. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alléluia. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Yes. J'ai marché nu. J'ai tout dit, j'ai tout fait, j'ai connu toutes les femmes, j'ai connu toutes les gloires, tout ça. J'ai vu que c'est bien,
maintenant, aujourd'hui, personne ne me dira le contraire. Amen. Personne ne me dira le contraire. Alléluia. Il n'y a aucune femme qui me dira le contraire. Amen. Il n'y a aucun homme qui me dira le contraire. Yes. Je reconnais maintenant. Amen. Alléluia. Je reconnais maintenant. Alléluia. Yes. Alléluia. Peut-être que tu es là, tu es en train de t'abonner. Peut-être on dit qu'il y a un autre Dieu qui est de l'Occident qui peut aider les gens. Mm. Peut-être on dit qu'il y a un Dieu qui a Fontainebleau qui est plus puissant que tous les autres dieux. Mm. Peut-être on t'amène beaucoup d'autres dieux dans tes oreilles. Lorsque tu marches, il y a des dieux qu'on te propose. Alléluia. Mais les dieux de la Bible, celui-ci de la Bible, ces dieux-là que je vous prêche cet après-midi, yes. Je reconnais maintenant. Alléluia. Écoute, je reviens sur la phrase de Lyon. Il dit, je reconnais. Il n'a pas dit que je connais maintenant. Il dit que je reconnais. Ça veut dire, autrefois, il connaissait. Amen. Ah oui. Parce que je vais commencer à poser la question sur chaque personne me dira qu'il a connu Dieu. Oui, c'est comme Job. Il dit que je connais. Mais maintenant, je reconnais. Oh. Alléluia. Alléluia. Je connaissais. J'ai connu Kinshasa. J'ai connu Paris. Mais maintenant, je reconnais Paris autrement. J'ai prêché la parole de Dieu dans le monde. Tout le monde connaît déjà tout le monde. J'ai prêché la parole. Mais maintenant, je veux prêcher autrement. Amen. Maintenant, je veux parler de Dieu autrement. Je suis allé dans l'enfer. J'ai tout abandonné. J'ai tourné le dos contre Dieu. Je me suis fâché même contre lui. J'ai tout abandonné. J'ai cru que maintenant c'est le chemin de bonheur. Non, c'est le chemin de grincement dedans. Le chemin de plaire. J'ai pleuré comme un enfant. Yes. Mais maintenant, aujourd'hui, personne ne me dirait le contraire. Écoute, tu peux passer ton temps. Allez, m'apporter un autre Dieu. Je ne te croirai pas. Yes. Amen. Job dit, je reconnais. Quelqu'un peut dire, je reconnais maintenant. Je reconnais maintenant. Il y a quelqu'un qui est présent qui peut dire ce que je reconnais maintenant. Je reconnais maintenant. Tu peux t'asseoir. Allez. Yes. Prêche. Ouh là là. Bishop. Ça. Yes. Yes. La parole. Oh, tu m'as manqué. Oh, mon amour. Tu as qui a fait de moi quelqu'un dans le monde. Qui pouvait connaître quelqu'un qui est né à Kananga. Loin de la ville de Kinshasa. Le jour de ma conversion, j'étais allé. On était habitué à aller dans une famille avec mon ami qui est assis. Chez nous à Kananga, il y avait une famille, il y avait un restaurant. Chaque soir, on se rendait là pour nettoyer les grosses marmites, pour manger le reste du riz. C'était notre habitude. Un jour, nous sommes allés dans cette famille-là, comme d'habitude. Et dans cette famille-là, nous avons croisé Dieu. Depuis que j'ai croisé ces dieux-là, lorsque j'étais allé chercher les marmites, les casseroles, les restes du riz, c'est là où j'ai croisé Dieu. J'ai marché avec ces dieux-là. Il m'a tout donné. S'il faut, quelqu'un dit, parce que j'ai des maisons, j'ai des parcelles, j'ai des parcelles. S'il faut, quelqu'un dit, j'ai des voitures, j'avais le pardon des voitures, le parking. Si quelqu'un peut dire, qu'est-ce que quelqu'un peut encore désirer avoir? L'argent, les avions. J'ai monté dans l'avion seul pour aller prêcher. Il m'a tout donné, c'est Dieu-là. À un moment donné de la vie. Je ne sais pas si c'est la folie. Ou bien c'est Dieu qui voulait lui-même me faire voir que tu es à la recherche de quoi? Puisque tu as déjà tout. Puisque l'homme veut toujours découvrir ce qui est nouveau. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Par après, j'ai conclu qu'il n'y a rien. Maintenant, quand vous me voyez là, je suis un homme ivre de l'amour du Seigneur. Alléluia. Je suis ivre de Dieu. Puisque personne ne peut jamais me souffler une autre parole. Puisque pendant mon temps d'éloignement, je pouvais mourir.
Il y a même des gens qui ont cru que j'étais mort. Puisque je me suis retrouvé à l'hôpital les dos cassés. Mais c'était fini pour moi. Ma femme m'a quitté. Je suis resté un homme en arrière. Qu'est-ce que je peux encore être moi? Un homme devenu inutile. Mais pendant tout ce temps-là, toujours dans son amour, il était toujours avec moi. Amen. Aujourd'hui, quand je vois, je regarde les gens, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avoir? La gloire. Tout ça va passer. Tout ça va passer. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai pris les textes de Job. C'est pour vous parler, vous expliquer les conclusions de Job. J'aime. Peut-être toi tu dis, tu ne peux pas encore conclure ta vie aujourd'hui, tu es encore petit. Non. La conclusion d'une vie, c'est un début d'une sagesse. Amen. Amen. Puisque si tu n'as pas encore conclu quelque chose, c'est-à-dire qu'il serait difficile d'échanger des stratégies. Mm-hmm. Tu vas toujours pousser à aller, même si tu vas mal. Mais quand tu arrives à une conclusion, tu vas changer de fusil d'épaule. Mm-hmm. Job dit, je reconnais maintenant que tu peux tout. Il n'y a aucun présent du monde. Il n'y a aucun organisme du monde qui paie tout. Tous les gouvernements du monde sont limités. Même le plus grand homme du monde, ils sont limités, ils ont des limites. Mais Job reconnaît que Dieu, celui qui est au ciel. Lorsque tu prends la vie de Job, la Bible dit qu'il était plus riche. Il avait tout, des moutons, des vaches, des femmes et des enfants. Un matin, il se réveille, on vient lui dire que des fils et des filles sont morts, consumés par le feu. Pendant qu'on est en train de lui expliquer que ses enfants sont morts, on vient lui dire tous tes moutons et toutes tes vaches ont été brûlés. Pendant qu'il est en train de vouloir raisonner que les moutons et les vaches sont brûlés, on vient lui dire que tous tes champs de blé, tu n'as rien, Job, comme tu es là. En un seul jour, l'homme qui était au sommet de sa richesse, il s'est retrouvé pauvre. Wow. Quelqu'un peut dire pauvre. Pauvre. Peut-être que la pauvreté actuelle, tu peux aller graduelle. Mais ce n'est pas dans un jour seulement que tu te réveilles le matin. On vient te dire tous tes enfants. Tu te demandes combien de gens sont attachés à des enfants. Mmh. Bah, on ne te dit pas seulement un seul enfant qui est mort. On te dit tous tes enfants, fils et garçons, brûlés par le feu. Pendant qu'on est en train de te faire le récit, quelqu'un vient te dire que tu t'imagines tes moutons, tes vaches, tes bœufs sont consumés par les feux. Pendant qu'il était en train d'écouter, c'est lui qui lui dit, tu es en train d'hésiter, je te dis, Job, tous tes champs de blé, il n'y a rien qui te reste. Je ne sais pas si c'est à notre époque qu'on vient te dire des choses comme ça, quelle sera ton attitude. Cet homme-là, Job, j'aime la conclusion, parce que tout le monde connaît le récit de sa souffrance. Mais moi, ce n'est pas la souffrance de Job qui m'intéresse. Et pendant même que j'étais dans mes délires, c'était même pas même bien de prêcher la parole, parce que j'allais prêcher des choses sans comprendre. Mais maintenant, je comprends. Qui a dit Amen? Amen. Qui a encore dit Amen bien? Amen. Oh. Job fait dans la conclusion, il dit, je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Aucune réflexion n'est inaccessible. Je sais pas la nouvelle réflexion qui a autre pays, on dit quoi. Ici, la réflexion dit, aucune autre réflexion n'est inaccessible. Mais la nouvelle réflexion dit quoi? Que rien ne s'impose à tes pensées. Que rien, rien, que quelqu'un me dit rien. Rien. Oh, que quelqu'un me dit rien. Rien. Quand tu dis la sorcellerie, quand tu dis rien. La sorcellerie. Rien. La pauvreté. Rien. La méchanceté. Rien. L'empoisonnement. Rien. L'enlèvement. Rien. La sorcellerie. Rien. Les fétiches. Rien. Les divorces. Rien. Rien. Ça, c'est Job. J'aime. Vous savez, quand tu parles avec quelqu'un expérimenté, quand tu parles avec
rien. Rien. Et de l'autre côté, le même de l'autre côté. Et de l'autre côté. Le même chose, et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont en train de menacer les autres, ils s'appellent le couple de Dieu. Lorsqu'ils ne parlent pas, ils ne parlent pas de Dieu. Mais Dieu ne dit rien. Je peux te dire rien. Tu me mets en fou, rien. Tu me mets en bon, rien. Tu me mets en bon, rien. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un, on lui prouve de quelque chose, il commence à se plaindre chez n'importe qui. T'as la laïba ou ingaï. T'as la laïba de l'animaï. 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 Dis, on se plaint partout. Mais il y a quand même un bichon, on était très haut. Ton coutume est assez. On commence aux heures à la matin, aux heures à la métro. Tu ne sais pas là où dormir. Pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Amen. Avance. Parce que certaines choses tu ne peux pas comprendre. Laisse-moi te les dire moi-même. Parce que c'est moi qui les ai vécues. Tu te réveilles le matin. Tu ne sais pas que tu vas dormir où. Tu vas manger quoi. Tu vas te laver comment. Mais c'est toi qui m'as charismatique. Maintenant je vais appeler qui. Je vais dire à qui. Il faut me cacher pour que mon secret ne soit pas dévoilé. Mais tu te caches et tu souffres. Yes. Oh Seigneur, mais dans toutes ces choses, je n'ai pas appelé la mort. Je savais que ça allait passer. Alléluia. C'est ça. En tout cas, si j'avais appelé la mort, j'allais mourir. Parce que toutes les conditions qui amènent quelqu'un à mourir étaient réunies pour que je meure. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, avance. Seigneur de gloire. Peut-être que les gens ne servent l'idée qu'ils ne connaissent pas. Amen. Oui, je suis convaincu. Beaucoup de gens, ils vont dans les églises, c'est pas formalisme. Tu ne connais pas comprendre ce Dieu-là. Mais laissez-moi te dire, ce Dieu-là, c'est ce qu'il est capable de faire. Voilà pourquoi je parle de Dieu avec essence. Parce que je sais que c'est un homme expérimenté. C'est un homme qui a goûté aux souffrances, qui connaît les profondeurs des douleurs. C'est quand tu dis quelqu'un qui t'acquine. Comme c'est putain d'enfer la photo, pour deux années galère, la vie aux assassins. Mais sauf que mon capot a mettre au galère, mais ça les gars dans la 115. Tu vas comprendre que pour toi c'est pas facile. Dieu me dit aucune réflexion, aucune pensée, aucune idée, aucune rien ne peut s'opposer à toi. Amen. Amen. Et puis, écoute ce qu'il dit. Qui est celui qui assombrit? Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos déniés de connaissance? Dans ta version, on dit quoi? Dans ta version, on dit quoi? Qui est celui qui assombrit mes desseins? Non, non, ça c'est la même version que moi. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir? D'obscurcir mes desseins. Nanyango, c'est ce qu'on dit à l'ingala. Nanyango, à quoi qu'on tient à mon lili, na destinée d'en a. Alléluia. Oh, peut-être tu as peur de ton oncle, tu as peur de ta tante, tu as peur de ta femme, tu as peur de ton mari, tu regardes tes enfants, on te dit que tous tes enfants sont sorciers, on te dit que ta mère est sorcière, on dit que tu es dans une famille de sorciers, c'est-à-dire, toi tu vois des sorciers partout. Oh là là. J'ai les 40 jours, j'ai les 21 jours, puisque j'ai des sorciers, ma vie ne marche pas, puisque ce sont des sorciers. Mais Job dit, Job même veut savoir, il dit, qui a la possibilité, qui a la puissance, qui a le pouvoir. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a la destinée. Alléluia. Je vais te faire te réveiller à Nanyango, à côté de son poids, à tient la vie en main. Nanyango, à ta va passer le passant. Bah tiens quoi? Oh, laisse-moi te dire, comme tu es là, toi tu es une semence. Une semence, il faut qu'on déclare qu'elle est confite. Amen. Puisque ce que tu vas déclarer confité, mais pour moi t'as dit. Amen, amen, amen. Dans ta vie, lorsqu'on commence à dire qu'on suit, il y a un peu. Yes, 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 yes. Comme on n'a pas encore dit, ma capre m'a dit la montée.
Amen. Qui a dit Amen derrière? Amen. L'homme de Dieu. Il veut s'asseoir n'importe où. Il n'y a pas de problème. Il s'assied n'importe où. À ton air, Naïe. Wow. Qui a dit Amen? Amen. Amen. Oh, Saint-Esprit, c'est l'air. Avance. Lis-moi le mot cette phrase. Il raconte cette phrase-là. Lis cette phrase. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir le dessin? Qui a la folie? Même moi, ça n'a pas cause. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 42. Je suis en train de prêcher sur Job dit, maintenant je reconnais que tu peux tout. Maintenant, pas hier. Hier, je n'avais pas encore compris. Lorsque j'ai marché avec Dieu, peut-être Dieu m'a fait du bien. Je n'avais pas encore compris qui est ce Dieu. Lorsque j'ai marché avec Dieu hier, je ne sais pas si j'avais fait du bien ou bien j'avais fait du mal. Je ne pouvais rien comprendre. Mais maintenant, compris Job dans sa vie, il dit que maintenant, pas hier, je n'avais pas compris. Maintenant, les lots, je reconnais que tu peux tout. Bien, bien, bien. Amen. Je reconnais que tu peux. Hein? Tout. C'est lui qui fait cette conclusion. Écoute, la vie est bien lorsque quelqu'un arrive à la conclusion de sa vie. Amen. Lorsqu'on te prêche, tika mosum, tika komela, tika mila moi, ce n'est pas fort, ce n'est pas profond. Puisque plus on te dit, plus tu continues. Amen. Mais il faut que tu arrives toi-même à la conclusion. Il faut que tu arrives à la conclusion. La conclusion, peut-être que c'est une maladie qui t'a frappé. La conclusion, peut-être que c'est un rejet qui t'a frappé. La conclusion, peut-être que c'est une pauvreté qui t'a attrapé. Pour que toi-même, tu rentres dans toi-même. Amen. Que tu dises, maintenant je reconnais. Parce que ça m'a éloqué pour ça. Je comprends ça. Mais ça, on s'en fout. Puisque nous, ça nous fait la dimension de la vie. Maté, il faut t'assouter. Je comprends que tu m'as battu longtemps. Amen. Avance. Amen. Ma télé ma prophète, ma soukoule ma ma continue ma ma. Il faut que tu arrives à la dimension que Dieu lui-même s'occupe de toi. Amen. À cette minute-là, tu vas comprendre des choses qu'un passé ne pouvait pas te faire comprendre. Amen. Amen. Toutes les personnes qui se sont fait comprendre la révélation de la parole par le pasteur, à un moment donné, il tombe. À un moment, il les châtie, à un moment, il les abandonne. Mais ceux qui ont dit, on va continuer dans les armées. Là, ça m'a commencé à m'aider. Yes. Amen. Qui est bien? Amen. Oh Seigneur. Les personnes qui viennent de dire, Dieu me dit, même si on a ma coquille, il y a un côté qui vous s'empime pas dans la destinée. Dans ta version, dis quoi? Tu l'as même expliqué moi. Maman, dans ta version, dis quoi? Dans le parti 3 du verset 2, de chapitre 40 là. Dans ta version, dis quoi? 2. Oui, oui. C'est 2? Oui. 42. Qui a la folie d'obscurcir? Qui est celui qui a sombré mes dessins? Ah, tu relis là le commencement de cette pensée-là. Qui est celui qui a sombré mes dessins? Qui est celui qui peut sombrer mes dessins? Nanyango a conquis. Là des propos. Pas de, c'est-à-dire qu'avant de la connaître, à l'homme de la dénouer les connaissances. C'est-à-dire que à bébé Singa. La musique. Oh. Je ne suis pas avec lui. Mais il est loin, il peut être à Chicago. Il peut être en Nanjika. Il peut être en Rwanda. Il peut être partout. Il ne parle. Mais Dieu me dit qui y a cette capacité de le faire. Oh. Pour les nuits, maman. Mauvaise. Qui a la capacité de le faire? Peut-être que toi tu as aliéné, puisqu'on a dit des mauvais sorts. Et toi tu dis, c'est à cause des têtes que je suis devenu ce que je suis. Oui, tu peux devenir ce que tu es là à cause des dires des gens, puisque tu n'as pas un destin, tu n'as pas une destinée, tu n'as pas une promesse, tu n'as pas une alliance, tu n'as pas un culte, tu n'as pas un projet avec Dieu. Tu n'es pas connu de Dieu et Dieu ne te connaît pas. Lorsqu'on parle, quelqu'un peut parler de n'importe qui, même le petit sorcier de cet avenir, il peut t'envoûter, tu penses qu'il t'envoûte et toi tu es détruit. Mais Dieu me dit qui
Il pose la question à l'humanité. Amen. 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 Oh Seigneur Jésus. Amen. 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 Ça c'est Job qui parle. Puisque au début de la phrase, il dit que maintenant je reconnais. Tant que nous sommes souvent là, j'ai marché avec des sans connaître. J'ai tâtonné. J'ai commis des fautes. J'ai commis des gaffes. J'ai commis des erreurs. Je ne pouvais pas me rendre compte. Mais maintenant j'ai compris que mon côté à ça ne m'a coupé pour le canal. Amen. J'aimerais que tu arrives à cette dimension. Est-ce que tu es présent maintenant? Amen. Est-ce que tu peux faire cette déclaration? Amen. Est-ce que tu peux parler de cette manière-là? Amen. Est-ce que tu peux te lever et dire que mon taco pour le canal est ça? C'est lui qui parle de cette façon. C'est celui qui a connu Dieu, qui a une expérience de plus que toi et moi. Job, depuis le début de son récit, il t'attendait comme toi et moi. Puisqu'il y a eu beaucoup de conseillers qui venaient pour l'influencer. Peut-être Massou Moussani et Tayo Komi. De notre génération, nous tombons comme la maçon à l'église. Amen. Yes. Et d'ailleurs, comme il a un job, regarde même dans notre souvenir, qui est l'homme innocent qui a péri. Amen. Non. Job, situation qu'on a eu. Et ça, Nicolas Nayo. Maçon Nayo. Macambo Sadi. En tout cas, qui n'a pas prié pour moi? Moi, je m'ingénie partout. Puisque pendant que je m'ingénie là, j'étais toujours à la recherche de savoir peut-être la bosse année du sud de mon coin, la salle sur Kiwabi. Ce matin, mon mot sur Elungwata. Puisque j'ai tellement confessé. Confessé à mon Dieu, frère Lyon. Ce qui m'a mis partout, papa n'a cédé mon sou. Si vous m'avez souvent tellement que la confusion, vous tournez dans mes mots pour le grand. C'est parce que tout changé. Partout, ceux qui n'ont pas commis, 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 avance papa. Mais Job dit qui parle ses propos a le pouvoir d'obscurcir mes destins. Même la moisson de ma coquille, la roue bataillée, à chaque qui vous s'en prie pas, la destinée. Il y a des choses qui nous arrivent. Peut-être c'était difficile. Peut-être c'était délicat. Peut-être tu ne peux pas expliquer ni à ta femme, ni à ton mari. Ça te dépasse toi-même. Tu as tout expliqué. Tu as tout confessé. Mais ta situation ne change toujours pas. Amen. En tout cas, je reconnais si j'avais encore des biens que pendant toute cette période d'obscurité, sur les grandes bandes, il y a sur la piste de l'église. À la geste toujours que il s'en va peut-être comme un bon mal. Mais heureusement qu'il est inscrit de l'autre côté. Vous savez, la rabbin au fini. Si j'avais c'est le malage. Oh là, ce même prophète à sa gauche, là, qui n'est pas prophète. Il n'a pas prophète de l'Oba. Bon, mais amour. Ce qui n'a qu'il, puisque c'était très difficile. C'est fort. Lorsque je les parle, peut-être dans les termes de conclusion de ma vie, mais je te dis, tout ce temps d'obscurité, c'est un temps difficile. Qui a dit amen? On peut lire le verset là. On continue. Écoute ce que ce verset là dit. Waouh! Écoute, tu lis maintenant la partie qui vient après cette parole-là. Maman, tu dis, prophète
c'est dans l'enveloppe. Oui, je parle sans les comprendre. J'ai parlé sans les comprendre. Voilà. Non, mais ici, c'est je parle. Ah. Je parle sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai besoin d'une autre version. On dit quoi dans une autre version? Oui. J'ai parlé sans les comprendre. C'est là où je veux prêcher maintenant. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Voilà. Qui a encore la même version? Qui a encore la même version là? Ici, c'est oui, j'ai fait part. J'ai fait part. Chez moi, c'est j'ai fait part. Voilà. Dans la version Louis Segond. Lui a une bonne version, Louis II. C'est Louis II qui parle bien. Même ma version est comme la vôtre. Personne. Papa, Joël. La version n'a pas revenu. Oui. J'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute, mes frères. Job appelle toutes ses souffrances merveilles. Waouh. Qui peut appeler souffrance, galère, mort, merveille? Depuis que la Bible existe, il n'y a aucun prophète qui, pendant la période de souffrance, il commence à énumérer toutes les souffrances. Il dit que ces souffrances, ces tableaux noirs, Job appelle ces tableaux noirs merveille. Il faut que notre église, il faut que les chrétiens de nos églises comprennent aussi la dimension de la souffrance. Ce n'est pas seulement la dimension de malheur et de souffrance et de malédiction. Il lui dit, je parlais sans les comprendre. Pendant que Job traversait l'obscurité, il a parlé comme toi, il a parlé comme moi. Parce que sa femme lui dit, maudit Dieu que tu mets. Et Job lui-même, plus loin, il lui dit, j'ai maudit les jours où on a annoncé qu'un fils est né. Abi, Nazani qu'on a kenababé, mon colon le baroba qui kimwa le mouba nagotam. Écoute souffrance, quelle conclusion? Que ces jours-là soient maudits. Les jours toi tu fêtes ton anniversaire. Comme moi chaque le 1er août, je fête mon anniversaire. Lorsque j'arrive ces jours-là, je commence à maudire ma mère. Je maudis mon père. Je maudis Dieu qui a décidé que cette date soit la date de mon anniversaire. Mais Job, à ces jours-là, il dit, je maudis ces jours-là. Mais ces jours-là, qui peut maudire ces jours? Cette journée comme ça? Non, non, moi, quand on a fait mon colonie anniversaire, à qui l'église a dit, papa, pasteur, les noms, laquelle a fait mon colonie anniversaire? Personne. Voilà pourquoi Job dit, je parlais sans les comprendre. Dis d'abord, ma reine. Parce que comme ça a bisou bilobé là. Au combien mon mouton sauvier. Viens, bon, parce que ça n'a pas salé pas. Qui est bien même. Amen. Et pourtant, il y a un masque quand on se lève à Bandina, à sa proposa, à quoi nous sommes place mon combo. Mais comme tu ne comprends rien, au combien tu es mère, nani, parce que ça ne gagne pas. N'a petit à combien vieux. N'a mon tour à banga caillou à combien grand. C'est-à-dire que tu es dans une confusion totale. C'est ce qui t'est arrivé à Job. Mais Job regarde tous ces tableaux de malheur. Il dit, ces malheurs, les tableaux de malheur, cette obscurité. Il dit, ce sont des merveilles. Oh. Quelqu'un peut dire merveille. Merveille. A dit ta première merveille. Merveille. Il dit, j'ai parlé sans les comprendre. Nazulu balobalanga makamu nazo comprendre. Nakolo babilobe la. Babilobe la monza. Namu namu si moko so bote l'hôpital. Tango badule la passe zo kangai. Abeni ko finga moba. Imo si so passe zo kangai. Moba. Tango zo ba oyo. Tango mutumu nene. Yo moba yo yo. Zo ba. Wana badule la ko bota kezo ko sarai. Oh, tu ba tema kera ba kete ba wani simila dule la wana. Moa si ako ma kabilo te na pita. Ba muso ko passe zo kangai ama. Ba muso ko bete moba ni. A finga tango mutumu nene. Ah! Docteur, mutumu nene. Ah! Dule la ko bisa ka mutubi. Dule la. Bishop.
Puisque Dieu savait traverser Job dans cette étape, puisqu'il savait qu'une autre étape est en train d'arriver. Mm-hmm. Dites encore amen. Amen. Il dit, j'ai parlé sans les comprendre. Bande qu'on a la tête de l'obéir la table passe. Yes. Parce que sinon c'est ça pour Bob Mayoté. Il les a pas merveilles. Alléluia. Parce que quand on entre dans votre terre, il dit, Seigneur, je te dis merci parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui. Mm. Qui peut faire la prière comme ça? Amen. Seigneur, je te dis merci parce que Nadal Libanda. Qui peut faire comme ça une prière? Surtout, aux yeux de l'État, on dit que le téléphone à qui nous avons besoin de bon. Ou comme on dit, le garçon a tenu le téléphone. On dit, ma cabonaison, il y a un gars. Il y a un tour, il y a un bête. Est-ce que tu ne peux pas appeler ça merveille? Et quoi, il y a un tas de cerveau? Amen. 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 Mais Job dit, je parlais sans les comprendre. Il y a un tour, il y a un bilobé, il y a un moins. Passe, il y a un tour, il y a un tour, il y a un. Je sais que pas si personne ne supporte la souffrance. Mmh. Même Jésus-Christ à la croix a dit au Père, si ça dépendait de moi, éloigne-moi cette coupe. Mmh. C'est-à-dire que la souffrance était atroce. C'était vraiment atroce. Mais Job au contraire, il dit, j'ai parlé sans comprendre les merveilles qui me dépassent. Mmh. Il y a des choses qui te dépassent. Pendant que tu me regardes, il y a des choses qui te dépassent. Tu ne sais pas dire à ta femme, ni à ton mari. Tu as dit à tout le monde. Mais tu ne vois pas ta situation changer. Moi, j'ai parlé avec tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans cette vie qui ne connaît pas ma souffrance, qui ne connaît pas ma confession. Mon tignon, c'est la tout belle là. Là, la tout belle dans mon toutou. Pour le Katan, c'est la copine. Mais la zone la boum, c'est la carte. C'est pas facile. Yes. Mais Job appelle ça. Merveille. Quelqu'un peut dire merveille. Merveille. Quelqu'un peut dire encore merveille. Merveille. Dis, j'ai parlé sans les comprendre. Le merveille de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais conclure par là. Parce que je ne veux pas trop continuer avec des choses comme ça. Parce que lorsque je dépasse, ça me dépasse moi aussi. Ce sont des merveilles. Quand je vous vois aujourd'hui assis, quand j'ai commencé l'église l'autre fois, il n'y avait que deux personnes. Mais par après, nous sommes allés jusqu'à 200. Aujourd'hui, quand je vois, on commence plus de 15, plus de 20. Je ne sais pas, après moi, nous allons à combien. Puisque je sais qu'autrefois, je ne comprenais rien. Mm. Mais pour cette fois-ci, j'ai compris. Amen. Amen. Alléluia. L'église, il n'y a pas de magie. Mm. Il n'y a pas seulement fait ce que Dieu te dit de faire. Mm. Fini. Ce n'est même pas compliqué. Amen. Amen. Mais ce que Dieu nous dit de faire, on ne le fait pas. Nous voulons faire quelque chose de nous-mêmes. Mmh. Voilà pourquoi nous tâtonnons. Mmh. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous sommes en train de nous faire des démons. Nous sommes en train de nous faire des démons. Nous sommes en train de nous faire des démons. Il y a aussi une malédiction. Un militaire lui-même qui paye sa propre tenue. Dans mon oeil, il y a celui qui s'appelle tout. Celui qui peut tirer à sa pointe. Au bas, il y a un peu de temps de tenue militaire. Si on me l'a combien, on peut écouter la malédiction. C'est ce que nous sommes en train de traverser. Aux autres, comme on s'en a dit, on a vu déjà que malédiction c'est côté. Dites encore amen. Il y a tout le monde qui a fait. Puisque la porte est dans la salle, notre ressource est notre foutu. Habituellement, on a fait un foutu. On ne peut pas tout ça. Mais vous faites un notre ressource, on a fait un foutu. Notre ressource est un peu plus de. Nous tous sommes là, ma caméra, chaque dimanche, ils sont là, 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 ils sont là,
Placé pour t'expliquer qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le péché fait. Amen. On a pas pensé, nous sommes sur le pasteur, là, on a appelé Ouatténa, parce que le pasteur, mais l'appelle nous. Amen. Amen. N'a qu'à la moquille, mais elle a vendu ce qu'on a vendu la papaye. Tu m'as dit qu'on traitait le roi la papaye. Et ils ont passé. Bah, émission, comment on a mon pagan, 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 on a mon
Alors pour cette façon, la limite, ça n'entend bien. Ce so, qui n'a pas de faute, on n'a aucun de coloba. Mais on a passé mon sous, on est monté ailleurs. On a passé, pourquoi t'es là? Mon toit, ça passe, apôtre Nathan. En tout cas, quand on va regarder les sous, à l'indipé, on a un coloba, on soigne ici, mais il y a un grand. Je l'ai compris parce que je l'ai trop. Mais il m'a supporté. Surtout quand il a dit, ah, ton cher, tu es là, 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 tu es bon. La personne de l'église est morte dans le combo de Jésus. Amen. Je suis là pour le bishop Tchatumba. Azaki Moutumoko batte mieux sur la régitation. Moutumoko te a boumi ma kabouango. Amen. Mais on a toujours Nazaraki reconnaissant envers Tataoui. Pourquoi? Parce que il y a du bosoko comme on a un moko na Paris. Nazaraki négligé, rejeté dans le pasteur Nyansou. Mais Moukolo Moko n'a bien guillé dans le téléphone. Et si on a une église, on a une église. Il y a une combo, papa. Le combo est un pasteur, un apôtre Hippolyte à chaque fois. Il faut que l'on ait un apôtre pour ce témoignage, il faut faire attester. Parce que pour battre, on ne va pas comprendre que tu es un apôtre. Amen. Amen. Bon, il y a un tangi combo, mais il y a un tangi dans la vie. Il y a un problème, il y a un problème. Alors, il y a un yamba, il y a un présenté, il faut appeler ça au programme matière. Pendant que nous avons un bouquin, il y a un point à vendre. Il y a un point à vendre. Il y a un point à vendre. Or, nous avons un point à vendre. Il y a un point à vendre. Il y a un point à malheur, monsieur, pour comment la vie à moutou. Et ça, quand nous avons un point à vendre. Bible, qui dira une chose arrive sans que l'éternel l'ait ordonné. C'est-à-dire, nous avons pas permettre malheur et yak. Tant que vous apprenez le ça élévation. Vous avez un exemple, il y a un ballon. Moi, ballon. Ballon, ça va nous faire un ballon. Quand vous avez un ballon, vous voyez bien. Quand vous avez un ballon, finalement, on a maille. Soit les balles. Finalement, on a un ballon. Après, ce que vous dites, c'est ça. Et donc, on est à niveau, il y a aussi bien à Kango. Et on est à niveau, il y a un ballon. Quand vous finissez à moitié, il y a un ballon. C'est que l'église n'est pas comme un people. Amen. Et ça, on va prendre un relais de ça. Pourquoi? D'abord, Mkolona Yambinga a présenté l'église. Na souka présentation, na yé, quoi, déjà, dans le bus, on va se faire un peu honorer Mouninga. Et ça, c'est comme un peu de temps. Tu n'as pas mis le coup, mais mais à élever dans la carte église, on a l'idée que, quand on a mis l'église, on a un programme. Mais on a mis l'église, on a mis l'église, on a mis l'église, on a mis l'église. Je n'ai pas dit que pasteur a dit que le psychologue a dit que c'est quoi la confiance. Amen. Amen. Quoi? Nous sommes à Tomi pendant 5 ans, 10 ans. Au point de détruire, on a 5 ans. On a dit que le bâtiment est écouffé. Alors, nous prenons l'église Zouana, après Sangaï, à Tamboté et le côté, et les Kakaka, les Guéouan. D'abord, on va passer la période du Moko et la galère. Il y a des gens qui sont là, mais bien dans le retour, il va y avoir la porte, il va y avoir la commune.
Puisque Bible le dit là, deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a moi là les deux disciples, tant que vous êtes à mon Israël, Maous, Yesu a dit Bango, qu'on a pour que ça m'a l'eau dans l'eau. Après, on a dit trois personnes. Si vous avez quand même trois personnes à l'église à battre les lèvres, là, on va y aller. Et si vous avez la mot, et si vous avez la mot, l'église est quand même parce que, vous voyez, comme ce que vous avez la mot, il y a un certain sacré qui porte à ça, je vois qu'il y a. Alors, on a dans sa place en fait l'église. Un jour comme ça, mon bishop Tatouma, bienvenue. Il y a besoin, il y a besoin, il y a l'église, il y a l'église. Tout le monde a besoin pour bâtir l'église, ma vie, oui. Vous avez besoin de ça, il y a la vie, oui. Il y a bon, il y a un autre qui est là, il y a un autre qui est là, il y a un autre qui l'église pas là. Il y a un autre qui est là, il y a un autre qui est là, l'église n'est pas. Il y a un autre qui est là, 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 il y a un autre qui est là. Na banda église, na tala bo premier jour tozaki 10 personnes. Pa musala pe bandiko ko le bandiko ko la ti lelo oyo na ozama mke bref, ti lelo oyo toza na église, toza siko na Saint Denis, na kanisi toza lisu su 4 été, toza lisu su 10 été, nzamba matisi effectif. Amen. Yamana raison di boso na zata reconnaissant envers Bishop Tatouma. Pour Bible le dit l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. So lingi mutu ata ba twaso ba mabe pona ye yo mona na tellement na linga ye mingi na bolamu asala pona nga le lo ba ba reconnaître nga ba to komi ko ye ba nga ba to komi pe ko tanga kombo na nga c'est grâce na ye amen so talo mo na la voiture mo kwana ba kabili nga les amis no espace et tambula ba 66 km 66 000 km ba kabili nga ngo na canal na ye mo bazana dibi butute ko ye pourquoi. Parce que dans la vie, il faut que vous soigniez les relations. Il faut que vous soyez bien dans la vie. Bishop Tatouma, tu as dit que 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 tu as Maman Dorcas. Maman Dorcas, tu as dit que 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 Maman Dorcas. Maman Dorcas a dit que tu as relation na Bishop Tatouma. Aïe, poto, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Nous sommes en 2004. Tous ceux qui sont en Afrique, en Afrique, ah, Bishop Tatouma, bougez pour toi. Moi, qui est en Europe, j'ai un charisme. On sort sa canalité. Et ça dit que, nous avons un peu de mais la canal de relation, où le bandaki, dans mon diminanga, a tenu en contact avec maman, maman a tenu en contact avec Naye, Yepe, a eu au côté de Sava, en contact avec Kazarema. Na comme vous avez des missions, na babate comme vous les canakas arema, tu comme peu quoi yamba bandimi, pour essayer que mon dimimoko ayez pas moulanga na voiture, ou na sombite na pesa tayinkate, na nzela yana, ya charge. Mais tu sais ce que comprenez vous non? Mais hier mon papa s'est engagé. Mes relations comme on a zaki na mona hier, et fumole linga ba porte belé. Attends, les gens qui ont passé des missions dans mission na Kazarema, ba mate, ba nini, monde entier, ba zolanda, ba zobeng, ba nini, nana iba nana ba Kazarema te. Mais nan zela nae. Amen. Donc c'est-à-dire, bien aimé dans la vie, tu vas vous soigner les relations. Tu vas vous la reconnaissant, na bato ba sali biso boulam. Na ti, il y a diable des alaka, a bosa na kama kamba, ma lamu mouta sali liye, a ta la kama kamba mabe. Mais na ti, il y a nzambe, a bosa na kama kamba mabe, a ta la kama kamba malam. Si quoi, puisque par un ensemble, le tout soit natif, yanzame, puisque tu imites natif, y'a diable, mon tapose la salle là qui a 99 matam, y'a bien, il suffit que la centième est à la MAP,
Est-ce qu'il y a bolé mon yeux sur pour dire mon amal? Ah ça vous tue ma belle, ah ça boye. Mais est-ce que vous tenez celle là où t'as bolé mon côté? Yamana voilà bien aimé, à ta battu mon yeux sur ma boîte à qui est, nga na linga kaye tilélo. Amen. Amen. Na boya kamne masu mona ya salaka. Mais na linga kaye moto parce que aida na mi. Ce qui lélo na zan ding na za, c'est grâce à cet homme. Église n'a rien capoté à l'icône naï. Na yambi en église qu'on a tiré. Bande on a zavo travaillé na bango babi. Pour la dino yambi, oko yamba été. Pour la dino yambo. Mais si pas on a pas problème de zali comme naï. Tel pas le sali bien tiré. Ti na zoe sano lélo. Bande kouana hein. Bah hein. Bah voilà. Bah le bien langa so yambi en église va combattre pour yambi ta biso na kati église. Bah mais na yambi azamu tu nanza. Bah tava combattre pour yambi ben bah. Bande kouana lélo na zoe sabino yemo ka yebi. Babima, ba même pas la bande de mes soeurs qui est dans l'église. L'église est chitée et kaoki. Mais on a fait par la foi, nous avons contenu comme ça dans ça. C'est pourquoi, quand on a un abyss, on a un déguana, il y a un même mémé, il y a un réveil à ma case dans l'église. Donc, nous avons un continu à suivre, tu es belé, à titre de ma partenaire, va offrir un loyer, ça vous tombe tout ça. Dieu se tourne à la grâce à l'âme. Yaye, quoi, n'ayant pas qui est. L'église est Kabwani, pour Kabwani, l'église est Bimelinga bénédiction. Donc, bien aimé, dans mon coussé, pour le dernier temps, Bishop Tatumba, Azam Moutou et Seigneur vous soutenir. Batabouye, Azam expérience à ma casse. Pourquoi? Parce que Azam Kamopagan, a commis chrétien, a commis Moussaï Nanzam, si ma pengui, a tikin de l'anzambe, a continué à ma kamamoukili, si ma lamoua si koyo, a zongé les sous ma kamanzam. C'est-à-dire, Azam expérience est belle. Ndeka boyo ki mwa zolo ba. Si ko mwa tamu subiso ndeto abwe, oza pasteur, openwa kana yote, otika nona munzambete, mwa yoza de experience makambo ya vivra. Nizati. Si ko yena za de experience, akoye bisayo kutala ko sere ndo tika nzambe, ozo ni su mukili, omuna ba bamne ko landa. Kwa yemu ka sibili consequence makambo. Ya mo mon frère, ton senga na wopi sayo. Mili le bi, gloire ya second temple. Et pour les gars, premier temple, c'est quoi? Yomoko, c'est pas Moussa. Depuis que nous avons continué le bateau au travail, mais conseil dans les gens, et tant que collègue n'a yo, ça vous sera en Zambé, dès que nous avons parlé. Amen. Ma cambo est vivant au nord, le bateau n'a yo, à tes aïe qui a solo tué l'hôpital, mais l'air moko, conscience, nous avons fait ça. Au vendu au mitouni, et tel à l'obin n'a même parole, et tel à l'obin n'a même parole. Un tel ami n'a même parole, c'est que les gamango, ils aient solo. Si on a un bon alucani, n'a tigelo pour nos sala, pour la samoussa en Zambie. Au bout de ma famille, Zambo Saïla. Vous avez un Zambi. Zamba tika peote. Puisque Zamba n'a tika ali moutouté. Il veut bien Zamba se repentagate n'a deux et pessi moutou. Mais ne moutou soit seul ma bé. Donc, comme ma bé, étouffé. Mais si on moutou à reconnaître ma bé naïe. Bible dit qui est-il pour le juger mon serviteur? S'il tombe, ou si c'est relève, sera le gars de quoi? Son maître. Il peut tomber 7 fois, il n'est pas en tombe, il va mettre 7 fois. Alors, Tamboula Kanabouyenge Bene, Salamou Sala, les gens viennent à Poto Awa, il est le premier jour au Bande Église. D'habitude, vous avez un bien de l'Oba. Mais on s'en est déjà combien de personnes? Puis normalement, on a un responsable de Nabazar. Donc, les gens ont déjà ma compagnie. C'est que futile l'église, ils ont ma compagnie. Amen. Koufa église, n'a pas mon église, ils ont ma beaucoup. Amen. En plus, on dit c'est mon beau. Ils ont un homme sage, n'a pas de mboka. Un jour, garçon, moi qui ai comme on a un homme sage, a dit, mais si on a un homme sage, n'a yo yé bisanga, et l'on connaît Nazara, on a pas de mboko. On a maillé la tête, il y a un homme sage. A solo sui. Si on a yé bisanga, n'a qu'il y a un Nazara pour Koufa, tu as un bon mot. Nous sommes là, la avons vu que nous avons vu que nous avons vu que peut-être avons vu que nous 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 avons vu que peut-être avons vu que nous 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 autant ça fait moutouté, mais ça l'on zamba ou le banaïe. Si on t'a moulin en zamba, ta bat au film, madame tabassou, ou bouéna boué. Mais ceux qui ont conscience d'ailleurs, la tchot n'a qu'au se repentir, au cinq bolimis à ma soum, n'a eu, zamba au salon, ma camboua, ni 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 pour les cas, mais à pour prendre la bateau yo au camba. N'est la pèse exemple, il y a ballon. Vous allez pour la ballon, bah tu vas finir qui yo. C'est quoi, bah si pas lâcher yo. C'est quoi, t'en va lâcher yo. Yo moko ballon, ça a dit.
D'ailleurs, je ne sais pas bien comment passer sur les people. C'est que ça montre déjà que l'église n'est pas dans la people. Alors, il y a un assengi. Amen. Nous sommes tous les membres du Colo Congo de la Pona Bishop Tchatumba. Tozotika na maboko na Nzambe, ministère na na maboko na Nzambe, église na maboko na Nzambe, Nzambe sala ba grande choses. Ata batu alobaka mabe e belé na kombo na ye. Nzambe za capable ya ko effacer makamu so na mitwa batu. Ba moné ka komi mutasika. Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. To mona le passé na yete. Tout bas nous mona ce que le présent na ye. Amen. Amen. Ton bon délit bisognon, alléluia. Voilà le moment de la perte de grâce. Parce que tu es Dieu, papa, je reviens, papa. Si vous revenez, moi, voilà, papa, toi, c'est Dieu que tu es. Tu peux se lever encore davantage, Père de grâce. Fais dans lui quelque chose, papa, qui veut élever encore, papa. Son côté, c'est vous, pas une victoire que tu as mis en lui. C'est la foi. Amen. Alors, nous sommes ici chaque dimanche, 13h30, nous sommes là. 14h juste, on commence les hostilités. Les 16h juste, on continue. Chaque dimanche.